Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une capsule sportive un peu particulière. Nous sommes à moins d'un mois de la reprise du championnat de football en Suisse et les clubs de la région sont dans l'incertitude. Alors, est-il raisonnable de débuter la saison 2020-2021 dans la situation pandémique actuelle que l'on connaît? C'est la question que nous allons poser à nos invités du jour. Pour commencer, Stéphane Prieur, vous êtes coach au FC Frangin Sport. Bonjour Stéphane. Bonjour. Il y a également Régis Bovy, qui est le secrétaire général du FC Stade Nyonnais. Bonjour Régis. Et puis, nous aurons salut également Joël, le plaisir d'avoir Gilbert Carrard, qui est président de l'Association cantonale vaudoise de football. Bonjour Gilbert. Bonjour à tous. Pour commencer, messieurs, nous allons prendre des nouvelles de vos clubs respectifs. On va commencer avec le Stade Nyonnais. Régis, on a dénombré 5 cas positifs de coronavirus au sein de la première équipe. Comment se porte l'équipe? Écoute, l'équipe, malgré les derniers événements, se porte plutôt bien. Tout le monde, tous les jours, ont un petit programme à suivre à la maison. Sur les cas positifs, donc c'est pas en secret vu que ça fait les grands titres, les joueurs vont bien. Il y en a qui ont eu quelques tomes, mais rien de grave. Donc l'équipe s'entraîne depuis la maison. On a entendu le coach Anthony Breza donne aux joueurs des programmes à faire depuis la maison. Stéphane, tu es l'entraîneur de Frangin. Vous avez également été touché. Racontez-nous un petit peu quelle est la situation au sein du club. Oui, pour nous aussi, on a été touché. Il y a 3 cas positifs au sein de l'équipe première. Toute l'équipe est confinée depuis vendredi dernier, donc et puis on reprend les entraînements ce soir normalement. Voilà. Mm-hmm. Gilbert Carrard, vous qui êtes le président de l'association cantonale vaudoise de football, vous étiez au courant de la situation de ces deux clubs. Il faut quand même dire que ce sont des exceptions pour l'instant du paysage vaudois actuel. Qu'en est-il justement au niveau des clubs vaudois? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres clubs touchés? Alors actuellement, on a un club sur Lausanne. Le problème qu'il y a, c'est que je ne reçois pas directement, ou une autre association ne reçoit pas directement les cas. Les cas ne sont pas forcément annoncés par les clubs. Alors il est un peu difficile de vous dire s'il y a d'autres cas dans le canton. On entend des bruits dans nos Vaudoises, mais au Lausanne, mais rien d'officiel, mis à part la deuxième équipe de Malais à Lausanne. Qu'est-ce qui va falloir changer? Parce qu'on ne peut pas vraiment reprendre un championnat dans cette perpétuelle incertitude. Il y a des choses qui vont devoir être mises en place avant le début du championnat, c'est-à-dire le 15 ou même le 9 août pour le Stade Nyonnais. Gilbert. Oui, alors, c'est important, c'est qu'il y ait une bonne... que ce soit bien précis avant le départ du championnat, donc du week-end 22-23 août, même qu'il y a la coupe le week-end du 15 et 16 août. Mais on attend bien sûr le communiqué de la Confédération le 12 août. L'ASF derrière va prendre des directives très certainement suite à cette annonce. Et nous, les associations, on recevra de la Ligue amateur certainement d'autres précisions. Mais en attendant, nous, on se prépare dans le cadre cantonal de notre association pour qu'on puisse commencer ce championnat dans les meilleures conditions et avec des directives précises. Et le championnat, il recommence pour des clubs un peu plus vite, justement, par exemple le Stade Nyonnais, qui va reprendre ce dimanche 9 août déjà avec un match de qualification pour la Coupe Suisse contre le FC Bavois. Régis, ça ne doit pas être facile pour l'équipe de jouer ce match déjà alors qu'elle a une préparation qu'on peut appeler de tronquée, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il y a une préparation qui est un peu, qui est passablement perturbée. Après, on a demandé le report. Il faut savoir qu'on a demandé le report de ce match au comité de la Première Ligue. Le report a été refusé. Donc, ma foi, on doit faire avec, on doit s'adapter. Après, il y a d'autres paramètres hors coronavirus qui font qu'on ne peut pas jouer à Nyon non plus, étant donné qu'il y a plusieurs compétitions de l'UEFA au mois d'août. Mais voilà, par rapport au coronavirus, c'est clair que la préparation est perturbée.
Voilà, les joueurs, il faut qu'ils jouent le jeu aussi à domicile. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils peuvent faire, évidemment, sur un terrain. Mais pour tout ce qui est gainage et exercice physique, physiquement, ils seront prêts. Stéphane, le coronavirus, est-ce que ça va faire partie du jeu cette année? Il faudra faire avec, c'est ça, si je peux dire ainsi. Ouais, je pense qu'il faudra faire avec. On a pas le choix. De toute façon, maintenant, on va apprendre à vivre avec ça. Et puis, se préparer comme on peut. Après, on verra bien ce que l'ASF ou la CBF dira par rapport à ça. Si les matchs vont être joués ou pas, si les équipes vont reporter. Mais voilà, après, même pour les entraînements, c'est quand même pas évident parce que, on sait pas, on fait une partie et puis après, ça coupe, on reprend, ça recoupe. Enfin, voilà. On verra, je sais pas. Et à l'intérieur de l'équipe, par exemple à Prangin justement, comment est-ce que les joueurs réagissent quand il y a des cas? Est-ce que demain c'est la reprise des entraînements pour vous? Est-ce que tout le monde sera de nouveau au rendez-vous à 100%? Je sais pas si tout le monde sera là. On a un fichier pour les présences et puis j'attends un petit peu de voir, mais je sais on a quand même pas mal de vacanciers aussi et puis il y en a peut-être certains qui aussi un doute par rapport au fait de reprendre l'entraînement avec des personnes qui auraient pu être infectées ou pas. On verra ce soir, mais je sens que on va quand même pas être beaucoup par rapport au nombre qu'on est normalement. Gilbert, hein, on l'entend à entendre justement les témoignages des responsables des clubs de la région. La préparation est tronquée hein, pour certains clubs, mais c'est une donne qu'il faudra prendre avec, j'imagine, pour la suite. Qu'est-ce qui se prépare de votre côté justement pour peut-être garantir un championnat le plus équitable possible du côté de la CVF? Alors, tout d'abord, c'est très juste ce que Stéphane a dit. Il faudra vraiment, on vivra tout ce premier tour, voire tout le championnat avec ce Covid qui nous tire au pied, là. Et puis, après, il faudra adapter le plus possible et dans les meilleures conditions possibles les différentes directives qu'on recevra. Ce sera très important qu'elles soient suivies déjà très, très attentivement et puis surtout concrètement. Et non pas peut-être juste dire, mais peut-être que cette vague qui se passe maintenant va faire réfléchir encore plus de personnes pour qu'on puisse vraiment commencer le championnat dans les bonnes conditions. Mais de notre côté, on aura une personne responsable du COVID qui pourra répondre et qui sera en relation avec le médecin cantonal. On va prendre toutes les dispositions, un maximum de précaution pour que ce championnat puisse se jouer dans les meilleures conditions. Là, on espère, et puis là, en cause du COVID, s'il y a des matchs renvoyés, c'est une chose, mais on ne cause pas de la météo. Donc, en plus, si on a des matchs renvoyés à cause du COVID, puis en plus, une météo qui serait pas très favorable cet automne, on peut avoir bien sûr quelques inquiétudes. Un casse-tête hein, à vous entendre d'ores et déjà. Dans une récente interview, Gilbert, pour le journal La Côte, vous parliez de responsabilité individuelle. Alors, comment est-ce qu'elle est applicable sur et à côté des terrains de football, cette responsabilité? Il y a notamment des directives hein, qui sont faites depuis fin juin, depuis qu'il y a eu les premiers matchs amicaux. Alors, c'est quand on demande que tout le monde soit un peu responsable. Il faut savoir si on veut vraiment jouer ce championnat, il faut vraiment que tout le monde tire à la même corde, comme je l'avais dit. C'est-à-dire qu'il faut que les présidents de clubs, les responsables, les entraîneurs tirent l'attention sur leurs joueurs, sur leurs membres, de faire attention, bien sûr, autour du terrain, au bord du terrain, à l'entraînement. Je dirais que c'est sous contrôle, mais peut-être à l'extérieur, individuellement, en privé, et là aussi, c'est important d'avoir une bonne discipline. Ça sera le championnat va tenir à ça. La discipline, elle est déjà
plus ou moins respecté au bord des terrains avec ses nouvelles règles. Maximum 300 spectateurs et chaque fan doit être séparé d'un mètre et demi. Alors ça, c'est la règle. Hein. À voir si elle a appliqué au bord des terrains, ça, j'en doute. Le port du masque est vivement conseillé. Peut-être Stéphane, c'est peut-être la mauvaise personne à qui poser la question puisque le FC Frangin n'a pas pu discuter de match amical. Mais est-ce que ce genre de règle peut être respecté au bord d'un terrain? Vis-à-vis des spectateurs, on peut pas faire grand-chose. On peut faire tourner quelqu'un du comité autour du stade pour dire espacez-vous, mettez votre masque, et ainsi de suite. Mais c'est quand même compliqué de dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Enfin, chacun est libre un petit peu de faire ce qu'il veut. Maintenant, c'est la responsabilité de chacun. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas encore pris conscience de ce qu'était vraiment ce coronavirus. Mmh. Ce sera peut-être le rôle du responsable de chaque club, du responsable Covid de chaque club, justement, de peut-être faire le tour du terrain et regarder si tout le monde se porte de manière convenable. Régis, je vais partir du principe que tu nous entends, parce qu'il y a deux, trois soucis de connexion. Je vais te poser la question, est-ce qu'il est raisonnable de débuter la saison 2020-2021 dans la situation actuelle que l'on connaît? Bah, disons que si vous ne recommencez pas la saison maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on va la recommencer. J'imagine que la reprise scolaire va avoir lieu comme prévu fin août. Donc le foot, on parle beaucoup du foot aujourd'hui, mais les autres sports vont gentiment reprendre. Là, si vous regardez le tennis, il y a aussi des cas. Mais quand le hockey va recommencer, le basket, le volleyball, comment est-ce que ça va se faire? Le foot, pour l'instant, aujourd'hui, on peut recommencer. Disons qu'il y a des concepts sanitaires qui sont en place. Il y a un concept de l'ASF, il y a un concept normalement des clubs ou des communes. On fait le maximum pour restreindre la propagation de ce virus. Après, vous l'avez dit avant, c'est de la responsabilité individuelle. Ici, on doit s'occuper de la traçabilité. Donc, on doit savoir, on a une liste de présence des entraînements. Pour les matchs de la première équipe sur le terrain principal, ça sera facile de faire de la traçabilité parce qu'il n'y a qu'une seule entrée. Ensuite, des matchs de deuxième ligue, quatrième ligue ou junior, c'est vrai qu'on se pose la question comment on va pouvoir le faire parce qu'il y a plusieurs entrées au centre sportif et c'est là où peut-être que ça va se compliquer un peu. Aux gens de respecter la distance, à nos joueurs de respecter les consignes qui sont en place actuellement. Et puis, mais oui, de toute façon, il faudra recommencer un jour, sinon on ne recommencera jamais, j'imagine. Effectivement. Donc, si je comprends bien, Gilbert, c'est inconcevable de faire une saison blanche alors même qu'on n'a pas essayé. La saison va débuter, il faudra bien voir et il faudra faire avec, si je comprends bien, Gilbert. Oui, exactement, je l'ai dit tout à l'heure. On devra vivre tout ce championnat, ce premier tour, dans un premier temps, avec ce Covid. Si tout le monde tient ces directives qui sont sanitaires, qui sont données, je pense qu'on va y arriver. Mais bien sûr que ça dépend pas que dans le monde du football, il y a beaucoup aussi dans d'autres sports, comme l'a dit Régis, mais aussi dans le privé, etc. Donc, il faut vraiment que les gens prennent conscience que c'est comme ça cette année, et puis on va tout faire, et si tout le monde donne un petit coup, on va certainement y arriver. Hein. Et je crois que tout le monde a envie de revoir du sport, de refaire du sport, et on ne peut pas s'en passer. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir livré vos pronostics pour cette saison qui, quoi qu'il arrive, s'annonce particulière et à très, très vite sur les terrains. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci à toi. Bonne journée à tout le monde. Ciao. Bonne journée.